On échange notre routine skincare. Allez, c'est parti, je vais utiliser des produits qui ne sont pas à moi pour me démaquiller. Bien, j'ai fait tomber des trucs, je crois qu'il nous manque des trucs dans sa skincare. Il y a un problème, il y a vraiment plein de produits et je sais pas par lequel commencer. Pour se démaquiller, Fanny a une eau micellaire. Du coup, bah, je vais me démaquiller avec cette eau micellaire. On enlève les fossiles. Je frotte bien sur tout mon visage. Regardez. Oh, je me démaquille avec une eau micellaire. J'ai l'impression que mon visage, j'ai pas démaquillé totalement. Ensuite, là, je sens que ma peau, elle tiraille. Du coup, j'ai vu que Fanny avait deux petites pchites. Je vais utiliser celui-là parce que j'ai vu qu'il y avait marqué hyaluronique. Donc, c'est bon pour la peau, je crois. Je vais mettre un sérum sur ma peau parce que je sens qu'elle me tiraille un petit peu. Et Fanny a ces deux sérums-là. Donc, je sais pas lequel prendre, mais je crois que je vais prendre celui-ci parce que c'est le plus cher. On en met bien sur la peau et on vient estomper. Franchement, je suis choquée. Il sent hyper bon. Je connaissais pas du tout cette marque. Mais Fanny a ensuite deux crèmes hydratantes dans sa skincare routine. Je sais pas laquelle utiliser. Je vais tester celle-ci parce que le packaging me donne plus envie. Mais cette crème, franchement, je l'avais déjà essayée la dernière fois. Et elle est trop bien. Ensuite, un déodorant ou musc intime pour sentir bon avant de dormir. Du coup, je vais mettre musc intime. La skincare routine à Fanny est presque finie. Mais elle a encore ce produit-là et celui-ci. Donc ça, je suppose que c'est un baume à lèvres. Et ça, je crois que c'est pour mettre sur les boutons. En gros, il faut mettre le coton-tige à l'intérieur. Et ensuite, appliquer sur le bouton. Je finis enfin par le baume à lèvres. Et regardez, il est coloré. J'espère que je vais pas avoir les lèvres roses. Et voilà, j'ai fini ma skincare routine by Fanny. Dites-moi ce que vous en pensez.